Certes, parmi les sciences les plus honorables, parmi les actes les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala, il y a sa connaissance à travers ses noms et ses attributs. Et la science relative au nom parfait d'Allah et aux attributs sublimes, ceux par lesquels il s'est nommé dans le Coran et décrit, ceux dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute, c'est la meilleure des sciences. C'est la base de cette religion, c'est le socle qui amène la guidée. C'est l'averse sous laquelle le croyant baigne dans le bonheur, ce par quoi il découvre le délice de la foi, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. C'est la plus grande richesse que puisse renfermer le cœur. C'est le plus grand trésor que puisse découvrir l'homme et que la raison puisse atteindre. Et tout cela est clairement exposé dans le Coran de plusieurs points de vue. Premièrement, l'ilm ashrafu shay. Premièrement, la science est la chose la plus noble. Wa yatafadalu al-ilm bi sharaf al-ma'lum. Et cette science prend encore plus de la valeur en fonction de ce qui est étudié. Et lorsque tu étudies les noms d'Allah et ses attributs, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est kabir, est grand, et même akbar, c'est le plus grand. Donc la science de ses noms et ses attributs est la science la plus grande. Allah c'est l'azim, c'est l'immense, donc la science de ses noms et ses attributs est la science la plus immense. Allah subhanahu wa ta'ala, toute science à côté de sa connaissance n'est que petite. Deuxièmement, ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتاب العزيز الأمر بالعلم بأسمائه وصفاته. Très souvent dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de savoir, de connaître ses noms et ses attributs. Il nous dit subhanahu wa ta'ala وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a en vous. Soyez donc sur vos gardes. Il nous dit وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah sait, vous ne savez pas. Il nous dit également وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Il nous dit également وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ou وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمٌ. Et sachez qu'Allah est savant de toutes choses. Et sachez qu'Allah est riche et digne de louange. Et très nombreux sont les textes à travers lesquels Allah Azza wa Jal nous demande, nous oriente, nous ordonne de le connaître. On tire de tous ces textes et de bien d'autres l'obligation d'étudier qui est notre Seigneur, qui est notre Créateur, Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Seigneur des mondes. On tire également à travers ces textes qu'Allah Azza wa Jal aime de son serviteur et de sa servante, qu'ils étudient cette science, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Troisièmement, al-ilmu bi asma'illahi wa sifatih yaftahu 'ala al-'abd abwaban 'azimatan min al-'ubudiyyat min 'ubudiyyat al-qalbi wal-jawarih bal tatafajjaru lahu minhu yanabi' al-'ilm. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs ouvre aux serviteurs des portes immenses de la servitude,
de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le cœur, que ce soit sur la langue ou sur les membres. Plus encore, les sources se mettent à jaillir et la science s'écoule. Et la science s'écoule d'une manière telle que les mots nous manqueraient pour pouvoir définir cela et les répercussions que ça a sur le serviteur. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs nous aide même à connaître et à comprendre certaines sagesses de ce qui se passe dans les cieux ou sur la terre. C'est pour cela que lorsqu'Allah azza wa jalla a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Il s'en est allé chez Khadija radiallahu anha et il lui a dit: j'ai eu peur pour ma personne. Et là, Khadija radiallahu anha, de par la fitra qu'Allah azza wa jalla lui a accordée, de par la connaissance qu'elle avait de son Seigneur avant même d'avoir écouté du Coran, avant même d'avoir connu qu'est-ce qu'était la réalité de l'islam, du iman, elle a dit immédiatement au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Kalla, mais non, la yurzik Allah, abadan, jamais Allah ne t'humiliera. فإنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. Elle a su, de par ses qualités du prophète alayhi salat wa salam, fait de lier les liens de parenté, d'être véridique, d'aider les gens dans le besoin et autres, qu'Allah azza wa jal, de par sa sagesse, sa miséricorde, n'allait jamais l'abandonner ni l'humilier. Ainsi, la connaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal aide le serviteur à savoir une partie de la sagesse de ce qui se passe dans cet univers. Et comme il fut dit, c'est le meilleur moyen pour acheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs, c'est le meilleur moyen pour acheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà. Ces versets sont le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Ces versets à travers lesquels on connaît Allah, à travers ses noms et ses attributs, ces ahadiths, ces paroles prophétiques très nombreuses qui nous font connaître Allah subhanahu wa ta'ala, voici ce dont nous avons besoin. Voici ce avec quoi le serviteur peut s'épanouir et sortir de son insouciance. Sortir de son insouciance. وَحَاجَةُ الْعِبَادِ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْظَمُ الْحَاجَاتِ أَعْظَمُ مِنَ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ. La connaissance d'Allah Azza wa Jal est pour le serviteur plus importante et plus nécessaire, plus indispensable même, que la nourriture, l'eau et même l'air qu'il respire. Car si cela lui amène la vie du corps, avec la connaissance d'Allah, il y a la vie de l'âme, la vie du cœur et la vie éternelle dans les jardins d'Éden. ومعرفتullah سبحانه وتعالى بها حياة القلوب. Ce n'est qu'avec la connaissance d'Allah Azza wa Jal qu'il y a la vie des cœurs. Et comme il fut dit, celui qui prend cette connaissance, celui qui prend cette connaissance, lui aura été réuni. Lui aura été réuni le bonheur tout entier alors qu'il est allongé tranquillement et paisiblement sur son lit. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا بالحق. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à étudier, de nous aider à le connaître. Le quatrième point qui nous montre l'importance de cette science
et que pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Pour cela, Allah Azza wa Jal nous a créés. À la fin de Surat al-Talaq, il nous dit Tabaraka wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah se décrit à nous, il nous fait savoir la grandeur de sa puissance, de sa science. Allah est celui qui a créé les sept cieux et pareillement pour les terres, c'est-à-dire sept. L'ordre se succède entre les deux, afin que vous sachiez. Tout cela pourquoi ? Pour que vous ayez cette connaissance. Qu'Allah est parfaitement omnipotent et qu'il a embrassé de sa science toutes choses. Pour cela, Allah nous a créés. Pour cela, il nous a créés, il nous a fait savoir cela pour qu'on l'adore seul d'un culte sincère. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On trouve également la clarification de cela dans un autre verset. Qala Allah, ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas wa ash-shahr al-Haram wal hadya wal qala'id. Dhalika lit'lamu. ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la maison sacrée à la Mecque, et plus loin il nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, tout cela afin que vous sachiez qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et qu'Allah est parfaitement savant. Et qu'Allah est parfaitement savant de toutes choses. Cinquièmement, هذا العلم أصل التوحيد هو التوحيد العلمي توحيد المعرفة والإثبات الذي يستلزم توحيد العمل. Cette science est la base de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a trait à la connaissance. Et cette connaissance d'Allah azza wa jal doit nous entraîner à l'unifier dans le culte, dans l'adoration. Dans Surat Maryam, Allah azza wa jal nous dit رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux, adorez-le donc et soyez constant et endurant dans son adoration. Lui connaissez-vous un homonyme? Du fait qu'Allah est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, c'est le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le fait de savoir qu'Allah est le seul créateur, le seul maître, qu'il est unique, avoir la perfection absolue dans ses noms et ses attributs, que nul ne s'associe à lui dans cela, prédispose le serviteur à l'adorer seul d'un culte sincère. Ajoutez à cela que d'adorer Allah Azza wa Jal à travers cette connaissance est une cause pour entrer au paradis. Connaître Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs est une grande cause pour entrer au paradis. En effet, l'imam al-Bukhari muslim nous rapporte que le prophète alayhi salat wa salam a dit Inna lillah 99 asman mi'atan illa wahida man asaha dakhala al-jannah. Certes, Allah a 99 noms sans moins un. Celui qui les mémorise entrera au paradis. C'est-à-dire celui qui les dénombre, les mémorise, qui les comprend et qui adore Allah azza wa jal selon ce qui les implique. Et dans ce sujet, certains ont parlé avec science et clairvoyance. Ce sont les gens de la sunna. Et d'autres ont parlé faussement et injustement. Ce sont les gens de l'innovation. Ainsi, celui qui souhaite connaître et comprendre ce chapitre se doit d'étudier les règles tirées du Coran et de la sunna. Se doit
de savoir ce qu'ont enseigné les savants de l'islam, afin qu'il entre dans ce chapitre béni avec clairvoyance et qu'il en tire les meilleurs fruits. Qu'il en tire les meilleurs fruits. Et parmi ceux qui ont écrit et réuni des règles, il y a le grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ce grand savant a écrit un livre qui se nomme Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Les règles les plus sublimes relatives aux attributs d'Allah et à ses noms parfaits. Ce grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que ce sujet est très important car il entre dans un des piliers de la foi. En effet, la foi repose sur six piliers. Al-iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa liyomil akhir wa al-iman bil qadari khayri wa sharri. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination qu'elle nous soit favorable ou défavorable. Et les noms, les attributs d'Allah Azzawajal entrent dans la foi en Allah. Le premier pilier de la foi est le plus important. La base de ceci. Car la foi en Allah Azzawajal comprend la foi en son existence, la foi en son unicité dans Rububiyya, le fait qu'il soit unique dans ses actes envers ses créatures comme étant le seul créateur, le seul maître et le seul gérant. Mais également l'unicité d'Allah dans l'adoration, le fait de l'adorer seul d'un culte sincère. Comme c'est dans la parole La ilaha illallah. Et enfin, l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs d'Allah, lui reconnaître la perfection absolue et que nul ne lui est semblable. Donc, l'étude de cette science est l'étude du pilier le plus important de la foi. C'est aussi une des trois sortes de tawhid. Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma, Al-Sifat. Tout cela nous montre quoi? Que l'étude de cette science a une importance capitale dans la vie du croyant. Pour finir sur cette introduction, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit: ولا يمكن احد ان يعبد الله على الوجه الاكمل حتى يكون علما باسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيره قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. Nul ne peut adorer Allah de la meilleure manière si ce n'est après avoir eu connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs, afin de pouvoir l'adorer avec clairvoyance. Car celui qui va connaître Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, ça aura un effet dans sa servitude, dans ses adorations. Comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur, le seul maître, que de lui vient le bien et qu'il est le seul à pouvoir repousser le mal. C'est lui qui donne et retient, c'est lui qui crée et donne la subsistance, qui donne la vie et la mort. Cette connaissance-là aura comme effet dans la servitude du serviteur, at-tawakkul alayh. Ça aura comme effet qu'il placera toute sa confiance en son Seigneur et abandonnera toute son affaire auprès de lui. Celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, entend tout, voit tout, et que rien ne lui est caché, ni même une graine, une petite fourmi, le poids d'une petite fourmi dans les cieux ou la terre, et qu'il connaît ce qui est secret comme ce qui est apparent, qu'il connaît la trahison du regard, et que rien du contenu des poitrines lui est caché. Ceci aura comme effet qu'il va préserver sa langue, le serviteur va préserver sa langue, préserver ses membres,
Et même, il tentera de repousser les mauvaises opinions ou les insufflations du shaitan. Il ne rattachera, il ne s'accrochera à rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, à rien de ce qu'Allah n'agrée pas. Il aimera à travers l'amour d'Allah. C'est-à-dire, il aimera ce qu'Allah azza wa jalla aime. Aussi, il développera une pudeur qui le poussera à s'éloigner des interdits d'Allah azza wa jalla et des mauvaises choses. Le fait de savoir qu'Allah azza wa jalla, autre exemple, le fait de savoir qu'Allah azza wa jalla est riche de par son essence, qu'il a besoin de personne, de connaître sa générosité, sa bonté, sa bienfaisance, sa miséricorde, tout cela développera en Ar-Raja, l'espoir, et beaucoup d'autres sortes de servitude et d'adoration. Le tout à travers la connaissance d'Allah. C'est donc une source qui jaillit, de laquelle découlera les meilleurs types de servitude et d'adoration. Autre exemple, connaître Allah tabaraka wa ta'ala de par sa munificence, sa grandeur, sa toute-puissance, son immensité, sa domination aura comme effet la soumission, aura comme effet l'assujettissement, le fait de se rabaisser. Le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal a la perfection absolue, a la beauté parfaite et complète, a l'élévation absolue, ceci amènera encore d'autres types de servitude et d'adoration. Voici une partie des paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Miftah Udar al-Sa'ada. Et il continue encore sur une ou deux pages à nous montrer les effets de la connaissance d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration et dans la servitude du serviteur. Allah nous dit dans le Coran, « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا » À Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le donc avec. Ceci englobe l'invocation de demande, mais également d'adoration. « Dua ul mas'ala » L'invocation dite de demande, c'est l'invocation connue. C'est le fait de mentionner, d'adresser une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en mentionnant un nom en lien avec notre demande. Par exemple, Ya Ghafur, Irfirli, Ya Rahim, Irhamni, Ya Hafiz, Ihfazni. Ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi. Ô toi le très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ô toi le protecteur, protège-moi. Ça, c'est dua mas'ala. Tu demandes à Allah Azza wa Jal avec ce nom, avec ces noms. Il y a également dua al-ibada. Dua al-ibada consiste à adorer Allah Azza wa Jal en fonction de ce qu'implique comme sens ce nom. Par exemple, tu te repens parce que tu sais qu'Allah c'est Tawwab, le grand accueillant à repentir, celui qui guide à cela. Tu sais qu'Allah est As-Sami'az, celui qui entend tout. Donc tu fais beaucoup de dhikr et tu retiens ta langue des mauvaises paroles. Tu sais qu'Allah est Al-Basir, le clairvoyant. Donc tu fais des adorations et tu fais de belles œuvres, tout comme tu délaisses les mauvaises. Et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal nous dit « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا » Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Plus tu connais Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs, plus tu développeras la perfection des adorations et des servitudes. Voyons maintenant, étudions une règle relative au nom d'Allah Azza wa Jal. La première règle mentionnée par ce grand savant Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala, car dans ce livre, il cite 7 règles concernant les noms d'Allah, puis 7 règles concernant les attributs, puis des règles sur les noms et les attributs communes
au nom et aux attributs. Dans un autre chapitre, il réfute les ambiguïtés. La première règle dit Asma'ullah ta'ala kulluha husna ay balighatun fil husni ghayatu. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأن متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. La première règle, les noms d'Allah, le Très-Haut, sont tous parfaits. C'est-à-dire, c'est le paroxysme de la perfection, celui après laquelle il n'y a pas d'autre perfection. Non pas qu'elle s'arrête à un niveau, mais qu'après ce niveau, il n'y a plus d'autre perfection. Elle est inestimable, incommensurable. Pour preuve, Allah nous dit « Walillahi l'asma al-husna » À Allah appartient les noms les plus parfaits. Al-husna, c'est un superlatif. Al-husna, c'est un superlatif. Pourquoi les noms d'Allah Azza wa Jal sont husna, sont parfaits? Ils sont parfaits car ils comprennent des attributs qui eux-mêmes sont parfaits, qui ne sont pas sujets aux imperfections de quelque point de vue que ce soit. On ne peut même pas imaginer ou supposer une déficience ou une imperfection dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les noms d'Allah sont tous parfaits. Voici la première règle. Cela a été mentionné dans quatre versets du Coran. Dans Surat al-A'raf, comme on vient de le mentionner, mais également dans Surat al-Isra, Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Dans Surat al-Taha, Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna. Et enfin dans Surat al-Hashr, lahu al-asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولله et c'est à Allah et c'est Allah qui a les noms les plus parfaits. قدم هنا الجر والمجرور لإفادة الاختصاص. Ici, nous n'avons pas dit al-asma ou al-husna lillah, mais plutôt walillah al-asma ou al-husna. Le fait d'avoir mis en première position ce qui habituellement vient après chez les Arabes, cette figure de style nous donne un sens très profond qui est l'exclusivité pour Allah des noms parfaits. Seul Allah Azza wa Jal possède les noms les plus parfaits. Ces noms sont parfaits de par leur sens. Ces noms sont parfaits de par les attributs qu'ils renferment. Ces noms sont parfaits, Allah Azza wa Jal nous l'enseigne, nous le mentionne. Ces noms sont parfaits car ils sont les noms de celui qui est Akbar, de celui qui est Azim, de celui qui est Jamil, de celui qui est Latif, de celui qui est Alim, de celui qui est Basir, car ils sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus immense à avoir ces appellations. Ces noms sont parfaits car ils ne sont pas sujets aux imperfections. Voici la première règle qu'il nous faut tous savoir. Citons un exemple. Al-Hayy est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc l'attribut de Al-Hayya, la vie. Et la vie d'Allah Azza wa Jal est une vie parfaite, complète, qui n'a pas été précédée de mort, de néant, et qui ne sera pas rattrapée par une disparition. Et entre les deux, il n'y a pas de défaillance par la maladie, par le sommeil ou autre. Allah a donc de ce nom la perfection absolue.
Et si la vie d'Allah Azzawajal est parfaite, ça implique forcément que l'ensemble de ses attributs d'essence le sont également. Car la moindre imperfection dans l'un de ses attributs d'essence impliquerait automatiquement une imperfection, impliquerait forcément une imperfection dans sa vie. Donc la vie d'Allah est parfaite, l'ensemble de ses attributs d'essence le sont également. Allah nous dit « Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut » et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Autre exemple, Al-Alim, le savant, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui comprend l'attribut de la science, l'attribut de Al-Ilm. C'est une science parfaite et complète qui n'a pas été précédée d'ignorance, qui ne sera pas attrapée par l'oubli ou la distraction. Allah nous dit « Ilmuha inda Rabbi fi kitab, la yudillu Rabbi wa la yansa » La science, sa science est auprès de mon Seigneur dans un livre consigné. Mon Seigneur ne se trompe pas, ne s'égare pas, ni n'oublie. Dans Surah Taha, c'est donc une science complète, parfaite. Des choses de manière détaillée comme des choses de manière globale. Que ce soit relatif aux actions du Créateur ou aux actions des serviteurs. Allah nous dit « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » Auprès de lui, la connaissance des choses de l'invisible, nul ne les connaît, ne la connaît si ce n'est lui. Et il sait ce qu'il y a sur la terre ferme comme sur la mer. Et il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans que sa science y soit rattachée. Ni une graine dans les ténèbres de la terre jusqu'à la fin du verset. Tout cela nous montre quoi? Que la science d'Allah Azzawajal est parfaite et complète. Ceci dans Suratul An'am. Ajoutons dans Surat Hud, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas une chose qui rampe sur la terre sans que sa subsistance ne soit pour à Allah. Toute créature, c'est Allah qui la pourvoit dans sa subsistance. Allah Azzawajal connaît toutes les créatures. C'est lui le seul créateur et il a science de toutes choses. Et il leur fait parvenir leur subsistance. Finissons avec l'exemple du nom d'Allah Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il comprend l'attribut de Rahma, de la miséricorde. C'est une miséricorde complète et parfaite. Comme le prophète alayhi salat wa salam le dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Omar ibn al-Khattab, l'Allahu arhamu bi'ibadi min hadhi biwaladiha. Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Comme dans le célèbre hadith de la femme qui avait perdu son enfant et qui le cherchait. C'est donc une miséricorde très vaste, wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde a embrassé toute chose. Dans ce bas monde, tout le monde jouit de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et en tire profit. Même celui qui est dans l'égarement et qui associe Allah Azza wa Jal. Rabbana wasi'at kulla shay rahmatan wa 'ilma. Dans la vocation des anges, ô notre Seigneur, tu embrasses de ta science toute chose. Ou bien ta miséricorde, toute chose, et de ta science. Tout ce qui a été dans la science d'Allah Azza wa Jalla est touché par sa miséricorde. Puis dans l'au-delà, فَسَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Dans l'au-delà, elle sera particulière aux gens de la piété. Retenez donc qu'Allah Azza wa Jalla est parfait, que tous ses noms le sont, tous ses attributs le sont. Cette perfection dans ses noms et cette beauté
nous l'avons comprise dans chacun de ses noms. Pour chacun de ses noms. Chaque nom à part. Mais sachez qu'il y a également une beauté et une perfection qui nous apparaît en plus lorsque ce nom est juxtaposé à un autre. De là, ces deux noms ont chacun leur perfection, mais une troisième, voire plus, perfection nous apparaît de par cette juxtaposition. Al-husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'itibari kulli ismin 'ala infiradi. ويكون باعتبار جمعه لغيره فيحصل بجمع الاسم الى الاخر كمال فوق الكمال. En mettant un nom à côté d'un autre, ces deux noms parfaits nous laissent apparaître une troisième perfection au-dessus de ces perfections-là. Et celui qui médite les versets dans lesquels on juxtapose des noms, particulièrement ceux qui reviennent souvent, lui apparaîtra de grandes sciences, de grands trésors. Et ceci est encore un autre point de vue qui nous montre la perfection des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans le Coran, Al-Aziz ou Al-Hakim revient souvent. Souvent, Allah Azza wa Jalla a mentionné l'Aziz à côté de la Hakim. Plus de 40 fois. L'Aziz, c'est le puissant. Il a l'attribut de l'Izza, de la toute-puissance, avec ses différents sens. La force, la domination, al-imtina, al-quwwa, al-Izza, tayyib. Al-Hakim, sifatul hikmati wal hukm wal ihkam, l'attribut de la sagesse, du jugement et de la perfection dans les choses faites. Ça, c'est ce qu'on voit dans le nom d'Allah Al-Aziz et dans le nom d'Allah Al-Hakim. Mais que nous apparaît lorsque ces deux noms sont ensemble ? Nous apparaît une autre perfection. وَهُوَ أَنَّ عِزَّتَهُ تَعَالَى مَخْرُونَةٌ بِالْحِكْمَةِ فَعِزَّةُ لَا تَقْتَذِي ظُلْمًا وَلَا جَوْرًا وَلَا سُوءَ فِعْلٍ كَمَا قَدْ يَكُنْ مِنْ أَعِزَّةِ الْمَخْلُوقِينَ فَإِنَّ الْعَزِيزِ مِنْهُمْ قَدْ تَأْخُذُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَيَظْلِمْ وَيَجُورُ وَيُسِيءُ التَّصَرُّفِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ تَعَالَى وَحِكْمَتُهُ مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. Avoir mis la sagesse à côté de la puissance nous a fait paraître, nous a fait savoir une perfection au-dessus de ces perfections. C'est que la puissance d'Allah Azza wa Jal est la puissance d'un sage. Elle n'est donc pas sujette à l'injustice, ni aux mauvaises actions. Comme cela pourrait être le cas chez les puissants parmi les créatures. Il se peut qu'ils n'acceptent pas la vérité, oppriment et transgressent, se comportent mal. Pareillement pour le jugement. Le jugement d'Allah Azza wa Jal et sa sagesse sont avec sa puissance parfaite. Ainsi, nul ne peut repousser son jugement. Contrairement aux créatures, l'un d'eux peut être sage, mais il est faible, on n'accepte pas sa parole, il ne peut la mettre en œuvre et la faire respecter. Il ne peut intervenir par moments même lorsqu'il voit le mal. Mentionnons d'autres exemples dans le Coran. Car dans le Coran, il y a environ 60 fois ou 60 juxtapositions de noms. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. Prenons cet exemple. Dans Sourate Hud, et demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Certes, mon Seigneur est très miséricordieux
aimant ou affectueux. Rahim, il a l'attribut de la rahma, de la miséricorde, de la pitié. Wadud, l'attribut de al-wud, al-wud, de l'affection, de l'amour. C'est-à-dire qu'Allah aime et est aimé. Aime certaines choses, certaines personnes, et il est aimé. Mais de mettre Rahim à côté de l'Wadud nous enseigne qu'Allah yarhamu man yatubu ilay. Allah a pitié et fait miséricorde à ceux qui parmi ses serviteurs se repentent à lui. Allah a pitié d'eux, il leur fait miséricorde. Mais en plus de cette miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde son amour, et ça c'est encore plus grand. Ça c'est le summum et le paroxysme de la bonté, de la générosité. Car il se peut que tu excuses une personne fautive sans l'aimer. Mais là, Allah t'informe que si tu délaisses le mal, que tu reviens à lui, regrette la désobéissance, le péché, cesse le haram, Allah, en plus de te pardonner, de te faire miséricorde, il t'accordera son amour et t'aimera. Ô combien est grand est l'effet de cette connaissance dans le cœur de celui qui revient vers Allah, celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé le bien. Et méditez tous ces noms, comme Al-Aziz Al-Hamid, comme Al-Sami' Al-Alim, comme Al-Sami' Al-Basir, comme Al-Hayy Al-Qayyum, Al-Aziz Al-Rahim, Al-Awwal Wal-Akhir, Al-Zahir Wal-Batin. Na'am. Yani le fait d'avoir mis tous ces noms ensemble, et méditons sur ces sens-là. Parmi ceux qui nous montrent la perfection des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a également le fait que d'un seul nom, tu peux avoir plusieurs sens. Par exemple, Al-Aziz, c'est l'attribut d'Al-Izzah. Il y a trois sens, comme l'explique Ibn al-Qayyim rahimahullah. Izzatul Quwwa, Izzatul Qahr, Izzatul Imtina'. C'est le puissant dans sa force. Il est inébranlable. C'est le puissant dans sa domination. Nul n'est au-dessus de lui. C'est le puissant dans l'imtina'. Il est inébranlable. Nul ne peut l'atteindre. Autre exemple, Al-Hakim. Il a le jugement, la sagesse, la perfection. Al-Wadud. Il aime ses serviteurs pieux. Mais il est également aimé. Bima'ana mahboub, bima'ana muhib wa mahboub. Donc, à travers ces textes, ces explications, cette démonstration, il résulte que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous parfaits. Car Allah nous le dit, car tous ces noms comprennent des attributs qui eux-mêmes sont parfaits et qui ne sont pas sujets aux imperfections. Parce que il s'agit des noms d'Allah qui lui-même est parfait. Parce que d'un nom, on peut tirer plusieurs sens, plusieurs attributs. Et parce que lorsqu'un nom est à côté d'un autre, une autre perfection nous apparaît. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين